Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armstrong. Donc on joue ensemble à God of War, c'est la 21e vidéo. Donc on continue notre aventure. Donc dans la dernière vidéo, on a tué un des enfants de Thor, si je me trompe pas. On a trouvé un cristal, un genre de cristal de lave pour pouvoir ouvrir les fameuses portes de glace. Et on a fait une partie de la mission principale. Donc je pense qu'on n'est pas loin de la fin, à moins que je me trompe. Donc voilà, donc on a encore un petit peu avancé, on a repris de l'expérience, on a retrouvé des petits items sympas. Donc voilà les amis. Donc pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, si la chaîne vous plaît, oui on s'est arrêté par là. Si la chaîne vous plaît, bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification. Si la vidéo vous plaît, bah laissez-moi un petit commentaire, laissez un petit pouce d'encouragement. Si vous désirez partager mes vidéos, je vous en prie, ne vous en privez pas. Et je vais pas vous en priver. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien. Prenez soin de vous les amis et je vous souhaite une très bonne vidéo. Alors, est-ce qu'on peut... Déjà je vais récupérer ma hache. Est-ce qu'on peut viser... Ceci. Ouais. Donc ça c'est cool. Ça c'est encore plus cool. Donc, ça ne donne rien de plus. Donc, il faut monter. CRN. On a une là. On va trouver. On pourra redescendre. Donc je suppose qu'on va les trouver au fur et à mesure qu'on va. Qu'on va monter. Allez. On va monter. S'il faut, on redescendra. Alors. Et voilà, on voit la une. Et la troisième. Elle doit être pas loin. À mon avis, s'ils nous font descendre là. Ah, j'ai pas descendu la chaîne. Idiot bête. Et ben voilà. Bon bah c'est pas grave, on remontera. Hé hé! Voilà, on va pouvoir améliorer la hache. Si on retombe sur un de nos amis forgerons. Voilà. Et de l'argent et de l'XP. Bon, c'est pas grave, allez, on remonte. Ça nous fait de l'exercice. Donc on commence. De toute façon, on entend le bruit du marteau. Donc un de nos copains est pas loin, normalement. On va pouvoir améliorer l'hache. Et voilà, on est revenu vers lui. Mais comment repartir? Par où commencer? Voilà. C'est un jour sombre pour tes ennemis. Oui, mon jeune ami. Non. Voilà, le carquois amélioré. On aura des flèches encore plus abondantes. Ça, c'est pas mal. Non, toujours pas. C'est lequel qu'on a d'équipé, mon sang? Autre chose? Voyons voir. J'aimerais voir c'est lequel qu'on a d'équipé.
T'as 7 ans. Ah, mais le... Elle a augmenté au maximum, que je suis bête. Non, mais c'est moi qui dis des bêtises. C'est moi qui dis des bêtises. Alors, est-ce qu'on peut... on va vendre. Ah, faut rentrer à chaque fois. Je le garde au cas où celui-là. Ça me débarrasse. Ah non. Ah, je suis gardiste, on ne sait jamais. Chercher un prétexte pour me dire bonjour. Ok. Ok. Non, c'était pas un prétexte, donc faut repartir là-bas. Non. Non. Non, bon, on va repartir d'où on est venu. Et on va pouvoir ouvrir une porte. Une des fameuses portes de glace. Est-ce qu'on va pas se faire attaquer? J'ai pas l'impression que le petit aille bien. Il y a pas de quoi s'inquiéter. Dans ce cas, voilà. Ne traîne pas. Donc on peut. Voilà, il faut trouver. Voilà. En fait, il faut y aller doucement. C'est comme si on déminait. Hop, hop, hop. Et dès que ça commence à chauffer. Voilà. Et ben voilà. Allez, hop. Hey, c'est un bon raccourci. N'est pas revenu à la vie. C'est intéressant. On sait que les As trouvent eux-mêmes la voie du Valhalla. Pas de Valkyrie en escorte. On trouve. Pas de traitement aux portes des Limes. C'est peut-être un signe. Donc là, faut qu'on trouve un cristal, faut qu'on trouve de quoi faire exploser. Et ben voilà, il faut qu'on trouve une résine enflammée là. Et ben voilà. Suffisait de demander. Quand on est gentil, des fois. Voilà. Donc on a déjà une résine. On va aller. Est-ce qu'on peut courir avec? J'en profite. Hop, hop, hop. Allez, mon petit. Bah alors, t'es où? Viens là. En même temps, je visais pas. Donc. Ah là là! Hop! Notre cristaux qui est là. On a déjà fait quand même 20 et... On est à la 21ème vidéo, c'est passé vite. Faudrait que je me remette un petit peu sur Borderlands. Là. Faut pas que j'y croche trop longtemps, Borderlands, parce que c'est un jeu qui est tellement long. Je pense que si tu décroches trop longtemps, tu ne veux plus jouer. Quoi. Vu que j'ai entamé le let's play, j'ai guère le choix. Ouais, bon, ça va le faire. Vu le build que je suis en train de créer, ça va. Je vais pas trop perdre la main. On va être indestructible. Alors. Regardez, on est de retour à la main du géant. Quel est cet endroit? Les pêcheurs débarquaient à la prise du jour dans ce port et utilisaient cette chose pour en envoyer une partie directement aux cuisines du Jarl. Le reste était trié et vendu. Il y a une sortie sous le pouce. Trouve un moyen de passer.
chemin vers la sortie de l'autre côté. Je peux pas faire descendre là. Ah non, je suis bête. Il y a une chaîne ici. Je comprends pas qu'il puisse pas aller de l'autre côté là. C'est pas grave. Je crois que ça a marché. Allez. Bon, je crois que notre petit il est pas bien. Pas bien du tout depuis le combat avec les dieux là. Quelque chose qui s'est passé. Bah viens, je comprends pourquoi il... Ah bah non. Ah bah oui. Toc. Voilà. 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 C'est pas ça qu'il faut faire. Ah ben voilà. Voilà, hop, on peut ouvrir maintenant. Alors. Eh ben là. Non, oups. Bah alors. Voilà. Une. Deux. Boum. Ça par contre je trouve ça super bien foutu quoi, c'est rigolo. J'aime bien. Bon, on va se bastonner un peu là. De retour sous sa main. Nous y sommes presque. Bah non. On se bastonne pas. Après tout ce qu'on a fait, escalader le corps d'un géant, chuter sur un grand marteau, affronter des dieux malfaisants, qu'est-ce que tu crois que Mère dirait ? Que tu as fait d'énormes progrès. Merci. Ben voilà. Là-bas. On va déjà ouvrir la porte. Non, coupé. Troisième. Chose. Non, on va y retourner. C'est une chambre cachée, donc. À mon avis. Il y a peut-être un combat. Ah non. Tout simplement pour les connaissances. Ah, tu le reconnais, n'est-ce pas ? C'est un mur, le géant tailleur de pierre. Atreus. Oula. À une prison.
Cela expliquerait l'imposant verrou magique à l'extérieur. C'est pas seulement ça. J'ai comme l'impression que quelque chose nous attend. Je crois que j'ai... Tu as un don pour les annonces dramatiques. Je crois que c'est une Valkyrie. Quel genre de chose ? Si c'est une Valkyrie, on est mort. Quoi que ce soit, Atreus, nous le surmonterons comme nous l'avons fait jusque-là. Ouais, on va voir. Je suis pas aussi confiant que lui là. Si c'est vraiment une Valkyrie. Après au moins on aura l'emplacement. Si on n'arrive pas à la tuer maintenant, c'est pas grave. Il y a un coffre. Il faut récupérer de la rage là, parce que j'ai pas de rage. Alors. Normalement vu le combat, on devrait récupérer de la rage, mais. Signe de bravoure. Très bien. Oui, c'est une Valkyrie. Bon bah, on essaie hein. Une Valkyrie en prison? Alors c'était vrai. Une Valkyrie? Mais je croyais que c'était des esprits. Soyez prudent. Une Valkyrie en chair et en os. Je ne connais pas d'adversaire plus redoutable. Elle ne nous attaque pas. Elle ne nous a peut-être pas vus. C'est parti! Tue-moi! Allez. Ah plutôt ouais. Ouais, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je pense que ça va être très compliqué. Très 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 compliqué. Le problème c'est que j'appréhende. Je sais pas. Puis là on lui enlève rien quoi. C'est des combats. C'est chaud. C'est chaud the night. On fait quoi? Allez. On la retente. Pour la gloire. D'accord. J'ai rien pu éviter, c'est super. J'essaie de se soigner. Allez, c'est bien. Je suis pas assez fort, c'est pas la peine. Je suis désolé pour cette mascarade ridicule. Mais je ne suis pas assez fort. Ok, très bien. Bon, on s'en va, hein, tout simplement. C'est
Pas la peine, on reviendra plus tard, j'essaierai de les tuer toutes quand même. Atreus, avec moi. Après, je vous promets rien, c'est quand même relativement compliqué, mais on n'est pas assez fort. Faudra revenir. Par contre, elles offrent du bon butin, donc... on reviendra plus tard, c'est pas grave, l'endroit ne disparaîtra pas de toute façon. En plus, il y a une porte qu'on peut se téléporter. D'où le thème porte. Une téléporte. On se porte à une porte, ça fait qu'on se téléporte. Non, c'est pas ça, mais bon, c'est pas grave. Très bien, donc deux roufles gratuites. Je me suis pris deux tannées monumentales. Après, j'ai voulu essayer. Bon, voilà, c'est comme ça. Je savais que j'allais en prendre une. Mais là, j'en ai pris deux, du coup. Mais bon. L'endroit est marqué, on saura pour la suite. Donc, c'est pas ici. On retourne à notre point de départ. Donc, heureusement qu'on perd rien. Je le dis à chaque fois. Sinon, je serais un peu dégoûté. Bon, bah, une barque. Allez. Et maintenant, Freya devrait peut-être jeter un œil au garçon. Non, je me sens mieux. Je dois juste reprendre mes esprits. Où est-ce qu'on va? Maintenant que nous avons le burin du géant, nous devons découvrir la rune qui mène à Jotunheim pour la graver sur la porte spéciale, sur le pic, et ainsi ouvrir le passage vers le royaume des géants. Tu la connais pas? Hélas, non. Mais le serpent a dit que les géants avaient confié ce secret à Tyr. Tyr n'est pas mort? Si, mais son tombeau secret est à notre portée. L'entrée se trouve sous un temple qui était recouvert par le lac depuis des générations, jusqu'à ce que notre ami le serpent se décide à bouger. C'est là que nous trouverons la légende. C'est bien, on gagne de l'argent. On pourrait aussi continuer d'explorer. On a trouvé le burin et le tombeau va pas s'envoler. Ce serait dommage de pas se servir du bateau. Nous verrons, mon garçon. Oui, c'est vrai, on peut explorer un petit peu. Ymir, il y avait une fresque consacrée à une géante, avec plein de livres et des visions. Ah, il s'agit de Groa, la gardienne du savoir. C'était une grande sorcière qui rassemblait tous les tomes des arcanes qu'elle pouvait trouver dans les royaumes. Et ce, afin d'accroître ses pouvoirs prophétiques et de retrouver son époux disparu, Orvandil. Mais ce ne fut pas son époux qu'elle vit dans ses visions. Au lieu de cela, Groa, qui était parvenue à voir plus loin que quiconque jusqu'alors, fut témoin du Ragnarok, la fin et le commencement. Lorsqu'Odin eut vent de son ultime prophétie, il manœuvra pour s'approprier son savoir. Je sais pas s'il n'y a pas quelque chose... Odin faisait depuis longtemps appel au service de Groa. Aussi l'accueillit-elle dans sa bibliothèque. Nous reprendrons plus tard. Concentre-toi. Joli tir. Non. Bon. Je sais pas si c'est accessible... On est déjà venu ici. Mais oui. On est déjà venu. Je fais des bêtises. Il y a notre ami qui est là. Hé hey Sindri, tu connais Mimir? Si tu parles de la tête coupée pour me faire des clins d'œil, mais donne pas la prochaine. Je doute que ce soit très hygiénique. Oh, charmant. Ravi de te voir aussi, Sindri. Éteint. On est déjà... Ah, est-ce qu'on est déjà venu et qu'on pouvait pas ouvrir la porte? Je sais plus. Et si on n'est pas venu?
On n'est pas venu ici. Ouais. Ok. Bon, bon, on va faire le petit passage là. Ah, on pourrait y aller après. Ok. Ah bah d'ailleurs. Hop. On aura gagné quelques trucs. Pas le moment de jouer tête. Connais-tu ce lieu ou non? Je suis Mimir, l'homme le plus intelligent qui vive. Je sais bien des choses. En tout cas, ce lieu a l'air très important. Pour qui? Je ne vois rien de valeur ici. Je crois que c'est là qu'on libère les Valkyries. L'endroit là, on y allait pour rien. C'est pas grave. On explore de toute façon. Allez. J'essaie d'aller vite, pas trop traîner. Enfin, pas... C'est pas le fait de dire aller vite pour vite faire le jeu, mais... certains endroits, bon, on a vu qu'il n'y avait rien de spécial. Voilà. Toc. Bon, bon, on peut repartir. Allez, on repart. Dégoûté. Du coup, si on a gagné 2-3 coffres, mais rien de... Je pensais qu'il y aurait un petit peu de bagarre, mais non. Du coup... Cette fois, je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Je l'ai vu aussi. Freya a bien dit que la tour du royaume de Jotunheim avait disparu du lac, mais peut-être pas entièrement. En effet, c'est étrange. Bon, là, il y a quelque chose là, par contre. Le bateau ici. Et où la troisième? Ah oui, il faut descendre. Il faut faire tourner un truc, je crois. Ah, 6. Voilà. Ok. Ça
Voilà, boum. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Alors. Bon bah non. Il faut trouver. Allez, comme ça on fait ce petit. Mais il sort d'où lui ? Ça, ça marche bien quand même. Ah, d'accord. Mais faut trouver pour arriver de l'autre côté. Puis là, il y a une petite bouclette. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bateau ? Ah, ça y est. Ça y est, ça me revient. Ok. Alors, il faut faire. On remonte. Voilà. On prend la barque. Comme ça, on fait ce petit... Ah non ! Je suis allé trop vite. Ah ! C'est pas bien compliqué, mais c'est long. Voilà. Il faut tourner la roue pour arriver à le bout cassé aille dans l'eau, qu'on puisse passer avec la barque. Normalement, c'est ça. Voilà. Voilà. On descend. C'est des endroits, voilà, c'est... C'est un peu pour nous faire balader, comme je disais, c'est pour rallonger un petit peu la durée de vie. Mais bon, là, ça vaut le coup parce qu'on va gagner des items. On va gagner une petite goutte bleue, voilà, de l'or, j'imagine, de l'or, des objets de craft. Donc, voilà, c'est quelques minutes, c'est pas... Donc on va en profiter pour aller chercher une petite goutte. Et là, il y a quelque chose aussi. Tu peux finir l'histoire que t'as commencé. Donc est-ce que je vais pas en profiter pour faire ce coin-là aussi pendant qu'on y est ? Gardé par Groa, la gardienne du savoir. Ce qu'elle ignorait était qu'Odin lui-même était responsable de la disparition. Je pense pas que ça durera bien longtemps. Il avait en fait utilisé ses pouvoirs afin de lui cacher sa mort. On va déjà finir l'endroit là-bas. Dans un rictus, Odin la saisit à la gorge et lui ôta la vie de ses propres mains avant de s'emparer de toute sa bibliothèque. Je savais qu'Odin était mauvais. Donc voilà, il faut simplement. Impitoyable, sauvage. Depuis ici. Tel est Odin. Nous devrions nous asseoir ici en silence pendant quelques descendre instants. Descendre la chaîne. Afin de méditer sur la propension d'Odin à la cruauté. Hop. Voilà. On repart à la barque. Donc... Réfléchis plus. Allez. On reprend la berge. C'est pas bien compliqué, mais c'est long. Et là, on aura accès à toutes les cloches. On va pouvoir ouvrir notre petit trésor. Alors, on se met endroit stratégique. Boum. Boum. Et voilà. Super, pas assez rapide. Et voilà. Ah, c'est déjà du beau trésor. On a bien fait. Une attaque. Ok. Ah, il y a plusieurs trésors. Bah, c'est un beau butin. Tac. Il y en a un là. Oh, je casse tout. C'est jamais. Alors, eh ben on va aller voir ce qui se passe
là-bas. Si on peut aborder, normalement oui. On aura quand même gagné 2-3 trucs sympas. Alors. Voilà, on va aborder ici. Juste regarder niveau temps où on en est. Ok, bah ce qu'on fera, c'est qu'on continuera dans la prochaine, parce que sinon on va vraiment trop déborder. Donc je vous dis à très vite les amis. Bye bye.